C'est notre grand drame. Hein. Draguez-nous. Draguez-nous, on en parlait juste avant. On a envie de se faire draguer, les gars. Allez. Elle m'appelle pour me parler d'une pièce qu'elle refuse. Ah, voilà. Et elle se dit, tiens, j'ai pensé à toi, donc j'ai parlé de toi au metteur en scène qui va t'appeler. Et le soir même où elle m'appelle, on se voit côte à côte au restaurant. Et on se retrouve là et on fait, ah, Julie, ah là là. Donc un peu gênée, chelou. Chelou, et bim, six stars. Nous, on a un nouveau truc, c'est que quand on peut pas se parler, par exemple, quand on est en tournage, pour savoir tous les jours, c'est de se laisser des notes vocales d'une heure et demie. On se raconte. Tout. Moi, il y a une fois, quand même, ouais, où elle m'a volé ma doudoune, et ça... Ah ça n'est pas remis. Non, ça, c'est génial, ce truc. Ah, c'est génial. On a failli s'embrouiller. Non, parce qu'en fait, alors, moi, j'ai une passion pour les doudounes, mais une passion de l'au-delà. T'en as combien ? Je sais pas, je dois en avoir 12, de toutes les couleurs, de tous les styles, de tous les trucs. Mes amis m'appellent quand elles ont besoin de doudounes. Julie, elle savait pas la passion des doudounes. Et un jour, elle arrive, on va au théâtre, et elle arrive avec une super belle doudoune. Et j'ai fait, oh my God, qu'est-ce que c'est que cette doudoune? Le soir même. Je l'ai commandée. Le lendemain, elle l'avait et elle débarque avec. Et là, elle a eu peur. Elle me dit, non, mais si j'ai un chapeau, est-ce que demain, tu auras le même chapeau? Est-ce qu'on en est là? Est-ce que c'est ça, tu es cette fille-là, quoi? Tout va bien. Moi, je dirais Julie. Bah, tu dis ça pour... Parce que moi, je verrais que ça. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est elle qu'on drague, qu'on ne me regarde plus. Bah, regardez ses yeux. Nos mecs sont plutôt dans le même style. Ouais, on n'est pas sur l'opposé, les gars. Tu vois, dans le style de ce qu'ils font comme travail, dans... Ouais, exact, leur humour, leur esprit. Un mec... Ouais, génial, géniaux. Qui permettent d'aller travailler, tourner. Ça, le mec, tu vois, solide. Elle se méfie pas, elle y va, elle donne, elle est heureuse, elle balance. La concon naïve, quoi. N'est pas bonjour, je vous aime. Tout d'un coup, il va y avoir une situation que moi m'a m'énerver profondément, où je pourrais foutre le bordel. Elle renverse la situation avec de l'humour, mais immédiatement. Je l'ai aimée pour ça. Elle a énormément de caractère, mais que du coup, elle sait aussi se faire respecter, tout en étant positive, solaire, accueillante, chaleureuse, et en même temps, pas toujours commode. Et moi, quand je l'ai découverte sur un plateau, j'ai fait « Ah ouais !» Je dirais Julie, ah ouais, ouais. Parce que je suis assez maniacos. Moi, c'est le bordel. Oh, mais c'est un joyeux bordel. Ah. C'est-à-dire que non, mais c'est y a de la vie, quoi. Son humour, son second degré. Mm-mm. Et moi, je dirais son altruisme, quoi. Enfin, l'ouverture, si, ouais, sa bonhomie. Enfin, je sais pas, elle est souriante tout le temps, quoi. Sa générosité, ouais. J'aimerais faire de la comédie avec Caro parce qu'on a fait un drame. C'est vrai qu'elle est dans le drame et tout, mm-hmm, mais j'aimerais bien faire une comédie. On y mettrait du James Franco pour le charme. Waouh, oui, d'accord. Marc Ruffalo aussi. Ouais. Non, on pourrait faire le remake drôle de Thelma et Louise.